Bonjour à tous, c'est Zaret128. On se retrouve sur une nouvelle vidéo. J'ai pas trop d'idées de vidéo, donc aujourd'hui c'est présentation de map sur Minecraft. Pas la map de la dernière fois, mais une autre map. Donc comme voilà, parce que c'est bien de changer. Donc tout d'abord, avant de commencer, il faut savoir que j'ai fait une vidéo sur Minecraft présentation de map. Parce que ça va être rapide à monter, il n'y a pas trop de trucs boîte de feu, des trucs à couper dans tous les sens, voilà. Donc du coup, s'il y a quelques trucs à changer, donc... Bienvenue... Donc voilà. À faire des trucs... Un pixel arté... Oui, la chaîne... du style. Et aussi le centre commercial qui sera cher. Centre commercial qui est ce truc, je vous rappelle. Hein. Voilà. Donc, ça l'a bouffé. Voilà, tout ce qui est plus classique. Accès fermé, access closed. Oui, je sais, ça, c'est une pièce glauque avec du charbon dans tous les sens. Hi, don't worry about of me. No, I am camera. Oui, j'avais fait ça, ça fait depuis un moment que j'ai créé cette map. Oh, la référence à Undertale. j'ai mis des pancartes dans tous les sens, c'est vraiment une ma boîte de fuck. Yo. Voilà. Expérimentation 1, donc voilà. Donc il préfère Apple. Au fait, il travaille sur un robot. Voilà, qui est rien de fainéant. Voilà, c'est fainéant. En plus, c'est rien. Chambre libre. Waouh. Salle des trophées. Donc, ici, j'ai une salle des trophées. Donc, trophée Redstone, Red Miner. Blablabla. Voilà, j'ai fait trophée. Voilà. Une autre chambre libre avec une dent, voilà, c'est super. Ah oui, bonjour, je suis une lampe. Laissez-moi allumer. Là, vous dites, what the fuck, ça change rien. Je vais l'éteindre, vous allez voir. Parce qu'il faut la laisser éteindre pour faire le truc. Voilà, une chambre libre aussi, mais il n'y a pas la pancarte. Donc ça, c'est ma salle. Niveau de what the fuck élevé. En souvenir de... Donc là j'avais mis... c'était ma petite marque gold machin. Lol. Dehors. Accès HS. Vous allez voir en vrai que l'accès il est pas vraiment HS en gros. Ah oui mais ça c'est déjà activé, ok d'accord. Ah c'est super hein. Donc en fait la lampe en gold ça fait relever ceci qui permet d'accéder au levier depuis là, et après pour accéder pour là il faut activer un levier qui est planqué ici, il faut y aller comme ça, mais je vais y aller en fly parce que sinon ça va être chiant. Et ça débloque cet accès qui permet d'aller là, qui permet d'actionner ce levier pour pouvoir accéder ici. Donc je sais ça fait beaucoup, mais il faut activer la lampe, il faut éteindre la lampe, et là à l'intérieur il y a un levier qu'il faut choper pendant la route. Mais comme je suis sur mobile et que la portée de bloc est illimitée, je vais le faire là, directement. Bienvenue dans The True Lab. Undertale, c'est trop bien. Bienvenue dans mon labo. Labo super secret. Ah oui, j'ai fait exprès de faire une orthographe mal foutue. Donc là, rien de spécial, j'ai pas fini. Et voici un petit chest de la mort qui tue avec ce truc là. Détermination. Oui, vous allez dire que j'ai trop joué à Undertale au moment où j'ai fait cette map, mais bon. Ah, je m'excuse pour les petits reniflements. Je vais fermer ça et je vais quitter cet endroit. Par contre, pour quitter l'endroit, rien de plus simple. Tu te mets là, et tu fermes. Et après, tu quittes comme ça. Et après, faut juste fermer les autres exits, puisque... Voilà, donc... Et éteindre la lampe aussi, parce que aussi, voilà quoi.
faire allumer, rallumer la lampe. Donc je vais redescendre, rallumer la lampe et quitter cet endroit et vous montrer le truc. Donc je vais faire une coupure. Voilà, rallume la lampe. Voilà, c'est bon, j'ai quitté cet endroit, donc du coup, nous allons passer au centre commercial qui est juste là-bas, donc du coup, voilà, c'est parti, même s'il n'est pas fini, il est en cours de projet, donc il a déjà fait un bout du sol, hop là, ça va être méga, gigantesquement, énorme, ah voilà, c'est, ça va servir à rien de gueuler, mais... Donc voilà, et bientôt aussi je ferai un pixel arté aussi par ici, par là-bas. Voilà. Donc juste pour les professionnels qui se connaissent en Redstone, voici un peu le circuit. Rien de plus simple. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, hein. Même si c'est un peu inutile, mais bon. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il y a de plus simple, j'ai juste un peu fait quelques camouflements et voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu vas laisser un like, que tu vas lâcher un like, que tu vas t'abonner à la chaîne parce que c'est vraiment bien. Si tu aimes du géométrisage de Minecraft et du multigaming parce que, ah oui, en fait, voici une petite, un petit instant info. Donc, du coup, en gros, vous vous demandez, vous dites, oh mon dieu, il fait que du géométrie dash, Minecraft est mort, le multigaming est mort, oh mon dieu, c'est que ça. Et en plus, là, il fait plus trop de vidéos sur PC et tout. Ne vous inquiétez pas, même si j'ai tendance à favoriser un peu géométrie dash en ce moment, le multigaming n'est pas mort sur ma chaîne, le Minecraft n'est pas mort sur ma chaîne, le Minecraft, le gaming PC n'est pas mort du tout. Même si en ce moment j'en fais pas, et j'en ferai pas peut-être pas le mois prochain. Et donc, du coup, voilà, c'était un petit instant info. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu vas t'abonner à la chaîne et faire tout. Allez, tchuss!